Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo mes meilleures trouvailles de friperie. Ça fait vraiment un bail que je veux faire cette vidéo sur ma chaîne. Mais pour vous la faire courte, j'avais une partie de mes affaires qui était restée à Londres puisque j'ai travaillé pendant un an là-bas en stage et qu'avec le premier confinement, j'ai dû rentrer en catastrophe. Et donc j'avais laissé plein d'affaires là-bas et je voulais vraiment pas vous faire cette vidéo avec des pièces coup de cœur qui manquait, je trouvais ça un peu dommage. J'ai enfin été tout récupéré, donc je suis trop contente. J'ai ma garde-robe au complet et je me suis dit que je pouvais enfin vous faire cette vidéo. Écoutez, après cette très longue introduction, on va commencer, c'est parti. Donc, pour commencer par les jupes, celle-ci que je vous ai déjà présentée plein de fois. C'est une jupe que j'ai reprise. C'est le genre de pièce basique. En fait, j'avais pas dans ma garde-robe. Ensuite, dans la catégorie du coup des vêtements rares et chers, j'ai trouvé cette petite jupe en soie. J'ai pas l'étiquette avec la matière, mais je pense qu'elle est en soie à l'intérieur. Et c'est une jupe Gucci. Je l'ai achetée sans même me rendre compte que c'était une Gucci, ça qui est marrant. Et en fait, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a rien du tout, mais juste sur la fermeture éclair, on voit le logo Gucci. C'est pas ma taille, malheureusement, elle est un peu trop grande pour moi, notamment la taille. Mais vu qu'elle était magnifique, que j'ai pas voulu la prendre, et je l'ai donnée à ma maman, à qui elle va comme un gant, je l'avais payée 2 euros à la ressourcerie de Nanterre. Ensuite, toujours à la ressourcerie, je vous mettrai le try-on parce que là, elle est toute froissée. Mais c'est une jupe en lin blanche que j'étais super contente de trouver parce qu'en fait, elle me va super bien. Elle est vraiment pile poil pour ma morpho. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle est longue. Elle m'arrive un peu en dessous du genou. C'est top pour porter en ville. Je me sens pas du tout mal à l'aise dedans ni rien. C'est une camailleux vintage. Pareil, je l'ai payée 2 euros. Pour rester à la ressourcerie, ce magnifique pantalon en cuir. Ce n'est pas ma trouvaille, c'est celle d'une de mes très bonnes amies. Et donc, c'était pas sa taille, donc elle me l'a revendue. Elle a payé 2 euros. 3 pièces, c'est vraiment très rare de les trouver à votre taille, en très bon état et à un prix abordable en fripe. Que niveau valeur, c'était vraiment un super super deal. Également à la ressourcerie Nanterre, j'ai trouvé cette petite robe, c'est une espèce de petite petite robe caraco que je vous ai jamais présentée parce que j'avais oublié de la mettre dans mon hall de rentrée, mais c'est vraiment une robe que j'ai beaucoup mise cet été, notamment en soirée. Donc c'est une ancienne sine qua non. On a beaucoup vu en plus ce genre de pièces ces derniers temps. Ce détail là sur les côtés, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, vous voyez, en fait elle peut se remonter comme ça. Je voulais vous présenter cette robe que je m'ai portée ici parce que là comme ça elle ressemble à rien. C'est une pièce en lin aussi que j'avais acheté chez Emmaüs pour 5 euros. C'est une 9-9 vintage. Après pareil, ce genre de pièce elle va pas à tout le monde. C'est le genre de choses que j'adore porter parce que j'ai une morphologie en 8, donc tout ce qui marque la taille c'est pour moi. Ensuite on passe aux pantalons. Donc presque tous mes pantalons Levi's vintage, je les ai achetés au marché de Trouville. Il y a un petit monsieur et sa femme qui y sont tous les dimanches. Ils ont une sélection de jeans vintage de dingue. Si vous cherchez des jeans et que vous êtes en coin, ça vaut le coup d'y passer. Celui-là je lui avais acheté en début 2018, donc ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Et il est vraiment en super état, j'adore, c'est un 501. Tu vois, c'est 30 euros le jean, peut-être c'était 35 les pattes def et 30 les coupes droites. Tous mes achats de chez lui font clairement partie de mes achats préférés. Après, je sais pas si ça se qualifie vraiment comme une trouvaille parce que c'est lui qui les trouve. Mais en tout cas, c'est un bon plan que je vous partage. Et chez lui, j'avais notamment trouvé ce diesel qui est en peau de pêche, donc c'est un peu comme du velours mais pas côtelé. Et c'est un diesel vintage qui est droit. C'est une pièce très originale, vous verrez clairement pas ça sur tout le monde. Et c'est vrai que même moi je le mets pas forcément tout le temps, mais je sais que c'est le genre de pantalon que je peux mettre et qui va vraiment attirer l'attention, qui va faire toute ma tenue. Chez Emmaüs j'ai trouvé plein de pulls en cachemire de plein de couleurs différentes, mais un de ceux que j'ai le plus mis, c'est vraiment un basique, c'est un pull en cachemire à col rond qui vient de la marque Veil, donc clairement un des achats que j'ai le plus rentabilisé. Ensuite on va passer plus à la partie accessoires. Alors je dirais que c'est là que je trouve le plus de pièces marquante. J'ai notamment trouvé 3 paires de bottes chez Emmaüs que je mets tout le temps. Alors la première c'est celle-ci, vous la voyez sur toutes mes photos Instagram, elles sont vraiment magnifiques, elles arrivent mi-mollet et ce qui est agréable c'est que le talon est tout petit, je dirais qu'il fait peut-être 5 voire 6 cm max, donc très portable. Le bout est carré
et elles font vraiment un très joli pied que j'avais payé 9€ au Emmaüs de Lyon. Clairement dans mon top 3 de mes achats, c'est un des trucs que j'ai le plus mis. Et le même jour, j'avais trouvé ces bottes-ci que j'ai pas beaucoup pu mettre vu qu'elles étaient restées à Londres, mais je viens de les récupérer. Alors celles-ci ont un bout qui est très pointu, alors heureusement que j'ai des petits pieds parce que sinon ça vous fait vraiment des pieds de géant, chose du 37 pour les curieux. Et alors celles-ci ont un talon qui est un peu plus élevé, mais il est aussi plus épais, donc ça va pour marcher avec. Comme vous pouvez voir, c'est un cuir vraiment très lisse qui a été traité, je pense, parce qu'il a vraiment un effet qui brille. J'avais vraiment eu de la chance ce jour-là puisque j'ai jamais rien trouvé d'autre à ce Emmaüs. Et voilà, j'ai pris les deux paires et j'étais trop contente. Enfin, la dernière paire, ce sont ces bottes-là. Alors là, je les ai trouvées au Emmaüs de Bougival, donc celui auquel je vais en région parisienne. Donc celles-ci, ce sont mes bottes les plus hautes. Elles arrivent vraiment quasiment au genou, enfin juste en dessous du genou. Pareil, en état absolument irréprochable. Je pense qu'elles ont été extrêmement peu mises. Une veste que je vous avais déjà présentée, c'est cette veste en cuir. Cuir d'agneau en plus, je crois. Une vintage trop belle en plus, qui est oversize mais pas non plus énormissime. Voilà, vraiment, si vous cherchez des vestes en cuir, il y en a tout le temps plein chez Emmaüs. À chaque fois que j'ai emmené mes potes, elles ont fait un raid sur les pièces en cuir. Pour rester dans les vestes en cuir, j'ai celle-ci à vous présenter, qui est une de mes vestes préférées. Alors, je crois que c'est du simili cuir, mais l'imitation est vraiment très convaincante. Je l'avais trouvée chez au Emmaüs de Marseille. Et voilà, je l'ai trouvé là-bas pour 9€ et j'avais acheté la ceinture dans un magasin de cuir à Londres. Donc ce qui est un peu agaçant, c'est qu'il n'y a pas de passant sur cette veste, donc il faut que je choisisse si je veux mettre la ceinture avec ou pas, parce que sinon j'ai nulle part où la mettre. Celle-ci, c'est clairement une de mes trouvailles préférées aussi, dans le top 3 avec les autres bottes. Le même jour où j'ai trouvé la veste en cuir que je viens de vous présenter, j'ai trouvé deux blazers que j'adore. Alors celui-ci, ouais, cette veste, je la mets tout le temps. Elle est super oversize. Voilà, les blazers oversize comme ça, ma passion. Je vous les ai mis sur pareil sur plein de photos Insta. Voilà, clairement, une de mes pièces coup de cœur. C'est vraiment un basic de ma garde-robe. Ça, pareil, vous en trouvez plein chez Emmaüs. J'avais une amie qui avait flashé sur celle-là et donc j'en avais trouvé une qui ressemblait. Le même jour, donc du coup, j'avais trouvé ce blazer-là. Donc j'avais changé les boutons parce que les boutons étaient d'affreux boutons en plastique, voilà. Et en mettant des boutons dorés, ça fait vraiment toute la différence, ça fait beaucoup plus quali. Je les avais trouvés au Emmaüs aussi, j'avais fouillé dans les boutons qu'ils avaient. J'ai fait un bermuda du bas parce que j'aimais pas du tout la coupe du pantalon. C'est un motif à carreaux. Alors là, avec ma lampe, ça fait vraiment histoire d'horreur. Ensuite, j'ai deux autres blazers à vous montrer. Vous étiez beaucoup à aimer cet ensemble-là. Donc la veste en elle-même est canon, je la mets beaucoup. Faudrait que je change le bouton parce que vous voyez, il est pas très joli. Et si je mets un joli bouton doré, ça fera toute la diff. Mais voilà, cet ensemble-là aussi, j'ai remis le pantalon à ma taille. Et ce qui est sympa, c'est que la veste, en fait, va avec plein de choses. Cette couleur, c'est une espèce de jaune moutarde, ça va avec plein de trucs. Ensuite, cet ensemble-là, j'avais trouvé la veste chez Emmaüs, le Emmaüs de Pont-l'Évêque. C'est une catastrophe. Pour laver tous les jours, je la mets pas trop, surtout pas en ensemble parce que ça fait vraiment habillé. Ce qui est marrant, c'est que le pantalon était pas du tout avec. C'est un vieux pantalon Zara de ma maman que je vous ai montré dans une de mes vidéos haul. Et en fait, les deux vont super bien ensemble. Le bleu est vraiment très similaire, comme vous voyez. Pour aller au taf, ça y va pratique. On va passer au manteau. C'est cette magnifique veste Philippe Valreuil que j'ai trouvée à un événement de vente vintage au Puce du Canal. Je l'ai achetée à la friperie Fripsix et elle est en état nickel. Vraiment une très belle pièce. Je suis trop contente de l'avoir achetée et je l'ai payée 65€. J'ai trouvé notamment deux manteaux Max Mara. J'ai trouvé celui-ci qui a aussi une ceinture pour se nouer. Donc, mi-laine, mi-angora je crois, donc super chaud. Et il était vraiment en très bon état et je l'ai payé 20€. Donc pour un manteau Max Mara, c'est vraiment une aubaine. Sachant que ce genre de manteau neuf, ça vaut entre 800 et 1200€ en fonction de la composition. On a trouvé un autre aussi, Max Mara droit, mais alors il est noir et il est un peu plus oversize. Il est vraiment très très long. Et un autre manteau que je crois que j'ai pas eu la foi d'amener dans ma chambre parce que j'avais trop de trucs. Mais c'est un manteau Weinberg qui est couleur framboise. J'ai payé 20€ pour un manteau, donc ça reste un très bon prix.
Ouais, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de mes meilleures trouvailles. C'est vraiment les pièces que je mets le plus ou qui avaient un meilleur rapport qualité-prix, on va dire. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre pièce préférée en commentaire et à me dire votre meilleure trouvaille de free, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez la vidéo mes meilleures trouvailles vinted. Ça me ferait trop plaisir de vous la faire, donc n'hésitez pas à me dire ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!